C'est pourquoi je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, à celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques ou de troubles respiratoires, aux personnes en situation de handicap, de rester autant que possible à leur domicile. Elles pourront bien sûr sortir de chez elles pour faire leurs courses, pour s'aérer, mais elles doivent limiter leur contact au maximum. Dans ce contexte, j'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. Alors, la cuisine, voilà. Alors, j'essaye. Hein. Tu la vois? Oui. Dans la cuisine, en fait. Attends, non, c'est dans l'autre sens. La cuisine, tu vois. Et là, c'est le cellier. Voilà. Alors, c'est tout ça. Moi, j'ai fait des étagères. Hein? Pour mettre les tout, et au fond là-bas, il y a le congélateur. Voilà, puis il y a une porte au fond. Ouais. Un petit jardin derrière. Voilà la visite. De faire respecter les mesures de confinement, l'armée en Île-de-France, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ?